Alors racontez-moi d'abord comment ça s'est passé et qu'est-ce qui vous est passé avec ma copine. Je voulais aller à la match au final de décembre. Oui. Bon, donc on a décidé pour aller au Grec pour aller manger. Donc on est allé, comment dire, on a directement les pour manger. On a eu beau, tout le monde, ils ont été crier et la voiture, ils ont été klaxonner. Il était quelle heure? Il était vers 20h. 20h comme ça. Et donc j'ai vu, moi je suis sûr que je viens dans le monde, j'étais sur 5 et 4 mètres. Donc directement, je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru, j'ai traversé la route pour aller le sauver. Et j'ai mangé, j'ai sauvé. Donc, sans réfléchir, comme ça vous êtes. Mais je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement et Dieu merci, Dieu m'a aidé aussi. Quand j'ai commencé de monter, ça m'a fait le courage de monter de plus en plus. Voilà. Voilà. Donc ça s'est passé en quelques instants. C'est... Oh, après ça, je me suis fait quand j'ai sauvé les enfants, les prisonniers sont venus, ils ont nous amené au bâtiment. Comme ça, là, ça m'a. Je suis tremblé. Voilà, j'arrive même pas à arrêter. Vous avez réalisé. Voilà, voilà. Sinon, Dieu merci, je suis dehors. Et il était comment, le petit, quand vous l'avez. Bon, il est en train de pleurer. Voilà, il est blessé encore, là, son pied, voilà, il est blessé. Et vous l'avez revu? Oui. Ah bon. Merci. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Après, l'ambulance m'a emmené au hôpital. Merci. Pour me faire des